Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing du beau sourire de Amazon. Donc, c'était une opportunité en fait, je me promenais sur le site pour regarder certains produits et il y en a un au milieu des autres qui a attiré mon attention forcément. À la base, il coûtait 19,99€, donc déjà c'était pas cher pour le produit et j'avais un coupon de réduction. Donc j'ai cliqué sur obtenir ce coupon et j'en ai eu pour 15€. Donc j'étais hyper contente et évidemment mon doigt a validé. Mon doigt, hein. Et donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, on ouvre le carton. Joli carton. Ils ont toujours des beaux cartons à Amazon. Ils ont les moyens. Après, il faut les recycler. Ah, j'arrive pas à celui-là. Voilà. Et voilà. Alors, je trouve que c'est un gros carton. En même temps, Amazon, il faut se méfier. Alors, c'est bien protégé. C'est assez lourd. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est carrément l'appartement, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai craqué, parce que sinon, ça coûtait 30-40€. Et celui-là, eh ben non. Donc, ben, y a une chambre, une salle de bain, un petit coin, je sais pas quoi. Le salon, la cuisine, enfin, voilà, y a tout, c'est sympa. Donc, c'est une petite mallette. Regardez, c'est super sympa. Donc, je vais ouvrir ma petite mallette. Ouh là là, il y en a des choses dedans. Hein. Alors, il y a toutes les pièces en fait pour monter les meubles. Voilà, donc il y a ça. Il y a tout le mécanisme aussi pour... il y a plein de lumière, il y a une petite guirlande de lumière là. Là, je vois des petites plantes, des petites perles, là, plein de petites choses, je vous montrerai en détail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des petits plans, là, petites plaquettes en bois. Alors, le problème, c'est que ah oui, c'est prédécoupé, parce que je me voyais mal avec une petite scie pour scier le... C'est du bois, hein. Ensuite, oula. Alors, on a des pièces. J'aime pas le toucher. Ah, le toucher, il me plaît pas. C'est pas doux, c'est bizarre. Ça me fait des frissons. Voilà, donc ça doit être toute la pièce en elle-même. Voilà. Voilà. Il y en a encore. Voilà. Ah, et là où je suis contente, c'est qu'il y a des plaques de... Comment ça s'appelle? Vous savez, c'est pas de la vitre, c'est pas du verre, c'est du plexiglas. Ouais, je crois que c'est du plexiglas. Pour fermer donc toute la maison, pour que ça soit joli, sous verre, comme on dit. Et alors après, donc on a ça et ça. Voilà. La maison. Elle est trop belle pour 15€, quoi. Attends, c'est trop bien, quoi. Alors, là, c'est au début, not before fabrication. Donc, c'est des notes pour la fabrication. Donc, ils nous disent de quoi on a besoin. Un cutter, une pince, une règle, des ciseaux, du fil, un tournevis, une pince. Et je ne sais pas ce que c'est, ça, ma foi. Voilà, donc pour la fabrication et tout, ils nous expliquent, j'espère que je vais y arriver, donc il y a de la colle, ils expliquent les pièces, voilà, A, package, package materials, B, package materials aussi, C, package materials, enfin il faudra que je passe en revue un petit peu tout, voilà. Et après, on a tous les détails, donc le papier peint, les arbres, c'est des arbres, des fleurs, des plantes. Oh, regardez un peu.
les fleurs, les plantes. Oh, 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 oh. Oh là là. Oh, d'abord, il faut que je m'entraîne sur la petite. Il y a même une petite tasse. Petite tasse, un petit coquillage. Il y a toutes les perles. Oh là là. Il s'explique après, donc pour mettre le papier peint entre guillemets. Ça, c'est le meuble. Il s'explique pour faire la cuisine. L'évier, le robinet. Mon Dieu. Oh, c'est... Waouh. La table, la chambre, donc le lit, les draps. Il y a la baignoire. Voilà, ils expliquent au fur et à mesure. Il faudra que je suive l'ordre tranquillement. Sans me presser. Et après, ils expliquent donc pour l'éclairage. Par contre, c'est pas... L'éclairage, c'est pas génial. Hein. Oh, puis c'est en anglais, quoi. Voilà, donc après, ils montrent. Donc, voilà, donc vous avez la cuisine, vous avez le salon, vous avez la baignoire, là, la salle de bain. Je vois pas d'ici, la chambre. Et là, c'est quoi en haut? C'est un petit coin salon tout en haut. Voilà. Le petit jardin. Ben voilà. Et là, donc, il doit y avoir tout ce qui est papier peint. Voilà. Tout ce qui est papier peint, voyez. Alors, c'est pas adhésif. Par contre, j'ai pas vu de colle. J'ai pas vu de colle. Alors, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Mais moi, je vais mettre plus de 3 semaines. Hein. Il y a pour les poissons, là. Là, pour le petit jardin. Il y a les tableaux, là, en déco. Les geishas. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est décoration pour préparer. Il y a un mécanisme, là. Il y a un mécanisme. Il y a de la musique. Il y a de la musique. J'ai pas vu le mécanisme là. Alors, là, il parle du circuit électrique déjà. J'ai pas vu le truc là. Il y a même la plaque de cuisson là. Avec les petits plats. Petit truc cuit. Hop. Ah, il y a Jana qui vient voir. Voilà. Ben moi, je cherche. Il y a une théière, forcément. Il y a des geishas. Ah. Alors là, il parle du mécanisme. Oh là là. Bon, et ben. Il n'y a plus qu'un, c'est pourquoi faire le mécanisme, je ne sais pas. Viens pas devant la caméra, ma chérie. De toute façon, tu viendras m'aider, tu le sais. Voilà, alors qu'ils expliquent où il faut mettre pour mettre l'éclairage, le boîtier où on met les piles. Voilà. Mais alors, je ne comprends pas ce petit truc. Voilà. Je ne comprends pas. Past F2, S-Show, comme... Montrer comme sur le dessin en fait. Donc apparemment il se trouve dans la cuisine, on dirait. Bon bah écoutez, voilà, il n'y a plus qu'un, c'est ce petit truc là. Apparemment ça fait une petite musique parce qu'il y a comme un tambour, vous savez, pour les petits trucs comme ça. Voilà. Alors ça, c'est des trucs que je voudrais peut-être un petit peu voir de plus près. Si j'y arrive. Ah là là. Tout ce qui est minutieux, là, j'ai peur d'allumer mes ongles. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a là? C'est celui-là qui m'intéresse. Il y a des petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des petits graviers. Donc, ça, c'est pour le jardin. On a des petites plantes. Il y a du sable aussi, là, pour le jardin. Donc, il y a les plantes. Par contre, je vois pas
Hop là, il y a une perle qui est partie. Je vois pas de petites poils, de petits trucs comme ça, là. Alors, c'est ailleurs. On va regarder. Ça, c'est tout ce qui est jardin, je pense. Et là, ben, j'ai rien. Alors, j'ai rien. J'ai pas les tasses. J'ai rien du tout. Ah, peut-être là. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est l'autre. Et oui, j'ai sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Non, il n'y a pas de tasse. Il y a des perles. Il y a les toilettes. Je vous montre les toilettes. Voilà. Ça, c'est les toilettes. Vous voyez? Toc! J'ai perdu une petite fleur. Alors. Bon, et ben là, j'ai pas de théière, j'ai rien du tout. Bon, ben s'il manque des pièces, alors là, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas me plaire du tout, du tout. Alors là, on a, je sais pas, la ouate hein, pour faire. Donc, on a le système électrique. On a les petits. Là, tous les petits tissus. Tous les petits tissus. Voilà. Oh, mon Dieu. Ça va être super minutieux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je ne peux pas l'attraper? Ah oui, d'accord. C'est comme ça. Il y a de la ficelle, il y a des cordes, il y a la guirlande qui va éclairer un petit peu tout. Mais, j'ai pas trouvé les cafetières et compagnie. Bon, voyons voir. Non, parce que je suis inquiète là. S'il me manque déjà des choses pour commencer, j'ai pas fait une affaire hein, du coup. Alors ça, je l'ai vu. Voilà. Le petit pot. Ça, il y a des petits gâteaux. Ah oui, d'accord, c'est avec, il faut remplir avec de la ouate. D'accord. D'accord. Ah, ça se construit la marmite. Voyons la marmite. Alors, attendez. La marmite, elle est peut-être là. Juste, je regarde. Juste, je regarde. Donc, la marmite, c'est ça. Non, c'est pas ça, parce qu'on ne peut pas mettre l'aisance sur le côté. Donc, c'est trop gros, déjà, pour la marmite. Eh bien, écoutez, je vois pas bien. Je vois pas. Ça, c'est quoi? Alors, je vais regarder dans l'autre. Moi, je veux ma marmite. Hein. S'il n'y a pas ma marmite sur le feu, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Mais non, mais... Oh non! Mon Dieu! Il faut que je cherche une perle qui est tombée par terre. Ah, si je commence à perdre les perles. Bon, ben la marmite, elle n'est pas là. Eh ben, j'ai pas la marmite. Tout ça, c'est le jardin. Voilà. Avec les petits pots de fleurs à construire. On va rien perdre, hein. C'est peut-être les gens qui ont rempli qui ont perdu. Oui, parce que la marmite, ou alors il faut le coller. Et à mon avis, il faut coller. Donc, en fait, la marmite, c'est bien ça. Alors, il me semble que je vois le... Voilà, ça, c'est le couvercle. Alors, le couvercle, c'est un bouton pression. C'est un bouton pression. Ça, c'est la petite tasse à café. Petite tasse à café, avec le café dedans, hein, attention. La tasse à café. Donc... Oh là là, c'est minutieux, hein. Alors, est-ce que c'est ça, la marmite? Non, je pense pas. Je crois que si. Voilà, la marmite, c'est comme ça, en fait. Là. Et il y a deux petits trucs noirs qu'on doit coller de chaque côté. Ouais, ouais. Il y a le tout petit coquillage. Enfin, bref. Donc, il y a tout. Ouf. J'ai eu peur. Ah, les toilettes, ça me plaît bien, les toilettes. Voilà. Donc, j'ai tout trouvé. Voilà. Ah, bah écoutez, moi, je suis bien contente. Hein. Après, il n'y a plus qu'à. Donc, il faudra bien que je coche au fur et à mesure que j'avance. Donc,
Les loisirs de Malo, c'est ça hein, qui m'a mis là-dedans. Merci. Eh bien, elle a mis 3 semaines pour faire une petite pièce. Et donc là, c'est carrément la maison. La maison, ça brille. Voilà. Je suis bien, bien, bien contente. Alors, je vais tout remettre à l'intérieur. Alors, il y avait ça. Voilà. Puis, ce que j'aime bien, c'est qu'elle va être dans un plexiglas. Donc, en fait, ça va vous montrer... ça va être comment? Bon, ben, je sais pas. On verra. Donc, ça, c'est le plexi. Voilà. Donc, ça doit être certainement à mettre à la fin. Ensuite, on a donc tout ce qui est la maison. Voilà. J'aime pas toucher cette matière. Elle me crispe. Ouh là là. Vous savez, c'est comme un peu quand on fait l'ardoise, mais enfin, l'ongle sur le tableau noir. Alors, il y a ça. Hop. Il y a ça. Parce que c'est assez fragile quand même. Ça, on peut le mettre au fond. Et donc, il y a ça. Hop. Alors, évidemment, j'ai mis de l'air dans le sac. On va vider dans l'autre sac aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que franchement, franchement, c'était une super affaire, quoi. Quand je pense que j'ai payé 15 euros cette petite maison et 15 euros l'autre... qui est dans une toute petite boîte Rikiki. D'ailleurs, je vais commencer par là, hein, parce que eh ben, ça ne va pas tenir, ça. Pourtant, ça tenait, donc il n'y a pas de raison. Puis, il ne faut pas forcer. Hein. Voilà, c'était comme ça. Et celui-là, donc, qui va venir. J'espère. Ça ne tient pas. Alors, j'ai mis quelque chose. Pas de bien. Alors, on va faire tomber ça là, on va faire glisser au fond, voilà, et voilà, voilà, c'est à peu près bien, mais je ne veux pas trop forcer non plus, hop, non d'abord c'est hop, 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 et hop, voilà. Voilà, et c'est présenté donc dans une jolie mallette. Regardez un peu. Oh, eh bien, écoutez, il y a plein de choses en chinois. Hein, c'est pour les piles. Donc, je ne sais pas lire le chinois. Tout est en chinois. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Mais d'abord, je vais commencer par la petite. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça vous aura donné envie. Parce que franchement, regardez comme c'est beau. C'est super beau. Voilà. Donc, je vous le mettrai en grand dans l'écran. Vous verrez mieux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous regarderez ma vidéo, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis bye.